22 ans, c'est sa première finale au championnat du monde. 1m60, 57 kg, petit gabarit, très tonique. Il est capable de nous faire... Oh tiens, je joue sur les saltos entre les barres. Hein. Ah, les saltos entre les barres, oui. À ce niveau de compétition. Allez, une belle entrée déjà à remarquer au tremplin. Et avec son entraîneur qui va lui enlever des pieds lorsqu'il aura pris son appel. Pof. Voilà, saltons dessous à l'équilibre d'entrée. Il a fait un élément en suspension avec coupé écart arrière. Voilà, le double arrière dans les barres, réception à la plus brachiale. Ici, deux hélices enchaînés, c'est-à-dire des tours complets autour du bras. Et encore le double arrière dans les barres. Hey, je savais que c'était un spécialiste de la question. Je le sentais bien. De toute façon, avec les Asiatiques, on ne veut pas être surpris sur ce problème-là. Et double carpé. Ah, belle entrée de Jung Jin-so. Il a été un peu hésitant au départ. Et puis, dès qu'il est parti entre les barres, il s'est mieux senti. Voilà, son mouvement est très complet. Les juges n'auront plus qu'à enlever les fautes d'exécution qu'ils pourront constater. Il y en a eu. Il y en a eu. Mais c'est vrai que lorsqu'on prend de tels risques, surtout au parallèle, eh bien, c'est vite décelable, hein, la petite imperfection de maintien. Là, en tout cas,